Rapidement, rapidement, rapidement. Noyau interphasique. C'est quoi le noyau interphasique? Rapidement. C'est un cours facile, tabou rapidement. Donc, nous ensemble. Noyau interphasique. Alors, on parle le noyau interphasique. Pourquoi on dit noyau interphasique? Hein? Noyau interphasique parce que le noyau n'est visible qu'en interphase. Pendant l'interphase, le noyau est visible. On peut voir le noyau. Où est-ce qu'il y a après l'interphase? La division cellulaire, yani la mitose par exemple. Pendant la mitose, le noyau va disparaître. Puisque la membrane ou l'enveloppe nucléaire va se fragmenter et la chromatine va se transformer en chromosome pour migrer vers les deux pôles de la cellule. Donc, tu fous le noyau, tu fous le chromosome. L'enveloppe nucléaire, elle est telle comme un noyau en réalité. Ma cache enveloppe, tous les prokaryotes, tu les cellules eukaryotes, un homme, de l'ADN, il y en a de la chromatine. Enveloppé par les membranes nucléaires. Qui fragmenta l'enveloppe nucléaire, il n'y aura pas de noyau, il y aura de la chromatine condensée en chromosome. Donc, allez pour le noyau interphasique. Pour étudier le noyau, l'ASM pendant l'interphase. C'est quoi l'interphase? C'est une phase entre deux mitoses. C'est pendant l'interphase que la cellule peut assurer ses fonctions physiologiques et se préparer pour une suivante mitose. Donc, cycle cellulaire comprend une interphase, une mitose. Interphase, mitose, interphase, mitose, c'est pour les cellules qui peuvent se diviser. Sinon, les cellules, par exemple, nerveuses, ont le même passage, donc elles sont toujours en interphase, entre parenthèses. L'interphase, période comprise entre la fin d'une division et le début de la suivante. La durée typique du cycle pour une cellule animale typique est de 18 jusqu'à 24 heures. Pour une cellule végétale, environ 10 à 30 heures. Donc, interphase en jaune, puis phase mitotique, puis les cellules filles vont entrer en interphase. L'interphase, environ 90% de la durée du cycle cellulaire. L'interphase, via une phase G1, phase S, mat phase, G2, mat division cellulaire. Donc, elle se prépare pendant l'interphase pour la division cellulaire. Le noyau est le centre organisateur de la cellule. Sa fonction est de contenir la majeure partie de l'ADN de la cellule. Donc, l'enveloppe nucléaire va protéger et réguler les échanges nucléo-cytoplasmiques. Le noyau présent en interphase, mais disparaît lors de la division cellulaire. Le noyau interphasique, structure générale. Définition et caractères généraux, c'est un organite volumineux. Parfois, le noyau peut prendre la majeure partie du cytoplasme. Il prend le cytoplasme comme dans les lymphocytes. Généralement, il représente 6% du volume cellulaire. Il contient l'information génétique caractérisée par une taille, une forme, un nombre et une position. La taille est entre 5 et 10 micromètres, bien sûr, je ne vais pas vous demander d'apprendre par cœur les chiffres. C'est un volume donné par le rapport nucléo-cytoplasmique. D'ailleurs, on a comme un rapport volume du noyau sur le volume du cytoplasme. Donc, on a comme surtout les cellules malignes, le rapport est très augmenté. Mais un noyau qui est par rapport au cytoplasme. Bien sûr, c'est relatif à sa taille initiale. Sinon, qu'un des cellules, oui, toujours le noyau est plus grand et par rapport, plus abondant par rapport au cytoplasme. La forme, donc, elle est fonction, donc ça dépend du type cellulaire. Donc, le plus souvent, le noyau est arrondi, il peut être ovoïde ou là, parfois il est polylobé. Donc arrondi, exemple, vous avez les cellules lymphoïdes, les neurones, les hépatocytes, un homme des noyaux
rond. D'ailleurs, il y a la forme ta'rfouha bzaf, les noyaux à forme ronde. Ovoïde, c'est le cas des cellules musculaires, les fibroblastes, les entérocytes. On nomme un noyau ovoïde. Alors, si on ovoïde, on a déjà les besoins de la cellule. Par exemple, des fois, les cellules ont une fonction synthétique. Ils synthétisent des hormones. Ou là, donc, par exemple, comme le cytoplasme est occupé par les myofibries, les cellules musculaires. Donc, ils vont refouler le noyau à la périphérie et il va être comprimé. Et vous les ovoïdes, parce qu'il y a les places pour les myofibries. Il est polylobé parfois, comme c'est le cas des polynucléaires, les globules blancs, les polynucléaires, le trophine par exemple, c'est bon, un noyau qui est polylobé. Alors, c'est des noyaux ronds. Alors, un lymphocyte. Alors, lymphocyte. Alors, c'est quoi? Le globule rouge. Alors, on va le Alors, un lymphocyte avec un noyau qui est rond. Alors, c'est des noyaux polylobés. Maintenant, on va trop le ovoïde, on va trop le rond parce qu'il est polylobé. Comme si que fait bizarre les noyaux, mais en réalité, c'est un seul noyau qui est fragmenté, polylobé, mais en gardant toujours une enveloppe nucléaire. Donc, alors, c'est de forme ovoïde, présente une forme ovoïde, c'est des cellules musculaires. Alors, les cellules membranes. Le nombre, concernant le nombre des noyaux. Donc, il peut être parfois absent. Donc, on peut trouver des cellules anucléées. Je m'attends anucléées, mais non, je noyaux. Vous avez les globules rouges. Vous avez l'exemple des globules rouges qu'on appelle les hématies. Hématies, coréen, hamra. Hématologie, amradam. Hémoglobine, hémoglobine, ahmar. C'est l'hème, l'hym. Donc, hématie, c'est globule rouge. Kératinocyte, les cellules de la couche cornée, c'est des cellules mortes. On a les riches en kératine, on bat, elles meurent. Trallé des kératinocytes anucléés, c'est des cellules, c'est des squames, des cellules chargées de kératine sans noyau. Généralement, unique. Il y en a. C'est beau des cellules, un noyau unique. Noyau unique, alors les plus répandus. Il y en a la majorité des cellules, on chahi confirme, c'est un seul noyau. D'autres, c'est beau parfois, des cellules à deux noyaux, des cellules binucléées. L'exemple, les hépatocytes, les cellules cardiaques, myocardiques, et les cellules de l'épithélium urinaire. D'autres, c'est beau, deux noyaux, puisqu'il y a généralement. On appelle les cellules qu'on a mononucléées. Maintenant, c'est anormal d'être bi ou la multinucléée. Sauf, par exemple, quand on a un mononucléée, il a ou l'être cancéreuse, tout le cerveau est multinucléée ou la binucléée. Il a qu'un l'état normal, mononucléée. Sinon, l'hépatocyte, même à l'état normal, il a deux noyaux. Donc, c'est toujours relative à ses habitudes. Flada a cellule noyau واحد. Donc, il y a qu'un noyau de noyau, c'est anormal. Sinon, qu'un des cellules à l'état normal peuvent être soit mono, soit binucléé. Maintenant, l'hépatocyte, je suis binucléé. Il peut être binucléé. Les cellules plurinucléées, comme on a vu, les osteoclastes, les osteoclastes, qui sont les cellules géantes multinucléées, c'est un résultat de la fusion de plusieurs monocytes pour donner une cellule longuérancienne multinucléée géante. C'est quoi la tuberculose ou là. C'est l'inflammation chronique spécifique. Alors, c'est des hépatocytes mononucléés et binucléés. C'est des cellules normales. Alors, c'est des cellules mésothéliales, péritoine, mésothéliale, binucléée. Alors, c'est des cellules, une cellule en division. Cellules osteoclastiques, multinucléées. Position, où est-ce que c'est le noyau? Le siège Tao, le plus souvent, il est central. Donc, les lymphocytes, fibroblastes, cellules des glandes exocrines, noyau central, refoulé à la base de la cellule, les cellules muqueuses,
Par exemple, la muqueuse mouhadiyata, par exemple, tube digestif, un épithélium, l'épithélium tahom fait un noyau refoulé à la base. Il est basal. Position périphérique, c'est le cas des cellules musculaires et les adipocytes. À l'âge périphérique, parce que la cellule musculaire, le centre ou le cytoplasme est occupé par les myofibries, les sarcomères, les cellules graisseuses ou les adipocytes, le cytoplasme est occupé par, il est chargé de lipides, donc le noyau est fusiforme et refoulé à la périphérie. Central, basal et périphérique. Là où le noyau, là où je compte faire. Donc, quand même une vacuole lipidique. Alors, c'est quoi? C'est l'enveloppe nucléaire et le noyau, nucléoplasme. Constituant du noyau, où se fait le noyau? C'est l'enveloppe nucléaire, le nucléole, le nucléoplasme et la chromatine. Donc, l'enveloppe nucléole, chromatine et le reste est comblé, rempli par le nucléoplasme. Donc, c'est l'enveloppe, il y a deux membranes, la chromatine en vert, le nucléole et le nucléoplasme. La chromatine fait hétéro et e-chromatine. L'hétérochromatine, généralement, elle est périphérique, l'escaffe, l'enveloppe nucléaire. Et le reste, fait nucléoplasme ou fait le chromatine, e-chromatine. L'enveloppe nucléaire fait une double membrane externe et interne. Entre les deux membranes, qui est l'espace intermembranaire, on va puis sur la face interne, vous avez la lamina nucléaire. C'est quoi la lamina nucléaire? C'est des filaments intermédiaires, la cytosquelette, c'est des lamines. C'est quoi les lamines? C'est des filaments intermédiaires composés de quoi? Une protéine qu'on appelle les lamines, c'est des lamines, nature protéique. Et vous avez les pores nucléaires, ou là les complexes de pores, mais ça met à l'enveloppe nucléaire. Donc ce n'est pas uniquement des trous. Les pores nucléaires, mais ça met à le noyau, ce n'est pas de simples trous. C'est des complexes protéiques qui occupent ce trou pour réguler les passages, il y a les échanges nucléocytoplasmiques. Donc vous avez membrane externe, membrane interne, la lamina, la chromatine et le pore nucléaire avec son complexe de pores qui contrôle les échanges. C'est là, dans le réseau fibrillaire, c'est la lamina sur la face interne de l'enveloppe. Donc là vous avez le nucléoplasme, l'enveloppe nucléaire avec ses deux membranes et l'espace intermembranaire, et ici vous avez un pore nucléaire. Donc, grâce à l'enveloppe nucléaire, l'ADN est protégé des forces de friction, des réactions chimiques, des chocs issus du cytoplasme à cause de toutes les enzymes qui s'y promènent. Elle a aussi pour rôle de contrôler les échanges dans les deux sens, noyau-cytoplasme. La membrane externe fait face au cytoplasme, elle regarde le cytoplasme. C'est une bicouche lipidique, comme toutes les membranes cellulaires. Elle est trilamellaire au microscopie électronique. Elle peut porter des ribosomes, donc les ribosomes inséborants, soit libres dans le cytoplasme, soit attachés à l'enveloppe, yani à la membrane externe, sur sa face externe, soit sur le réticulum endoplasmique qu'on appelle granulaire, ou la rugueux. En continuité, la membrane externe est en continuité avec le REG, le réticulum endoplasmique granuleux. Donc, il y a la membrane externe en continuité avec le réticulum. La membrane interne, donc l'enveloppe, on a fait deux membranes. L'enveloppe nucléaire fait deux membranes. Deux membranes. Chaque membrane, elle est trilamellaire en microscopie électronique. Yani chaque membrane, c'est une bicouche lipidique. En bas de la membrane externe, c'est une bicouche lipidique. La mitochondrie, qui fait deux membranes.
Le reste, كامل فيهم une seule membrane trilamellaire ou plus. Donc la membrane interne, sur sa face interne thanique, yani sa face nucléaire, elle est tapissée par la lamina nucléaire du côté nucléoplasmique, en contact avec le nucléoplasme et la chromatine. Donc elle est la membrane interne en contact avec la lamina nucléaire. La lamina nucléaire, elle tapisse la face interne de la membrane interne. C'est des filaments de lamine, c'est des filaments intermédiaires. Elle peut atteindre jusqu'à 250 angstrom d'épaisseur. Elle stabilise l'enveloppe nucléaire et donne la forme et garde et conserve la forme du noyau. Elle stabilise les pores nucléaires. Elle fixe la chromatine. Elle organise le fonctionnement du génome, de la chromatine. Donc, imaginez, une mutation des lamines peut avoir plusieurs conséquences. Perturbation des transports nucléocytoplasmiques, une perturbation de l'organisation de la chromatine, une perturbation de la production de l'ARN messager. Donc l'ARN messager peut être, sa production peut être perturbée. Donc tout ça peut être secondaire à des mutations dans la synthèse, dans les gènes qui sont responsables de la synthèse des lamines. Donc des lamines anormaux, donc perturbation des échanges, perturbation de la déformation du noyau, perturbation des pores nucléaires, perturbation de la synthèse des ARN messagers. Donc allez, on en a parlé la fois passée, le cytosquelette, donc progéria, vieillissement précoce. Donc un noyau normal, un noyau déformé à cause d'une mutation des lamines. Donc il est plus âgé par rapport à ce qu'il paraît. Espace périnucléaire, yani l'espace intermembranaire, en continuité avec la lumière du réticulum endoplasmique granuleux, occupé par les parties C-terminales des protéines intrinsèques, puisqu'il y a des protéines transmembranaires qui traversent une membrane. Il y en a par exemple une membrane externe ou la interne, qui a des protéines transmembranaires. Les protéines ont une partie C-terminale. Avec la partie C-terminale va traverser la membrane et occuper l'espace intermembranaire. Ce n'est pas très important à la couleur. Complexe de pores nucléaires. Alors, on parle du complexe de pores nucléaires. Ce qui est l'enveloppe des pores, mesamètes. Donc les mesamètes sont occupés par très nombreuses protéines qu'on appelle les complexes de pores. Chaque complexe de pores fait deux anneaux. Cytoplasme, tu vois la forme terre d'abord. Donc le pore est occupé par ce complexe. Anneau cytoplasmique, anneau nucléaire et anneau intermédiaire et un canal au centre. Donc, deux anneaux, cytoplasmique et nucléaire. Firent 8 unités globulaires par anneau. Chaque anneau fait 8 unités protéiques. Il y en a 8 protéines. 8 unités globulaires, protéines globulaires. L'anneau cytoplasmique, il y a 8 fibres, 8 axars, 50 nanomètres. L'anneau nucléaire fait 8 filaments de 100 nanomètres de longueur, fixé sur un anneau distal de diamètre plus faible. Donc, vous aurez une formation, yani vous aurez la forme d'un panier ou la cage nucléaire. Panier, t'as le basket. Donc, allez, je mets le panier, t'as le basket. Donc, l'anneau cytoplasmique fait 8 filaments de 50 nanomètres. L'anneau nucléaire fait 8 filaments de 100 nanomètres. Donc, hada cytoplasmique, nucléaire et intermédiaire. Hada ma les filaments. Hada l'aspect en panier, tal basket. Donc, là, en microscopie électronique, vous arrivez un peu à voir les filaments
cytoplasmique, les filaments nucléoplasmiques. La phase cytosolique. Donc là, vous arrivez à voir les protéines globulaires qui forment l'anneau cytoplasmique. Maintenant, au centre, vous voyez le canal central, lysosomes, les ARN messagers par exemple. Face nucléaire, les filaments nucléaires regroupés par un anneau distal. Donc là, un anneau protéique cytoplasmique nucléaire, un anneau distal qui regroupe les filaments, les 8 filaments nucléaires. Le complexe de Pohr est encastré dans l'enveloppe nucléaire par un anneau luminal stabilisé par des protéines membranaires dont les lamines. Donc les lamines stabilisent le complexe de Pohr, ils le fixent. Donc Cain, des canaux latéraux et un canal central. Donc un canal central, on a qu'un des canaux latéraux. Donc selon la taille et les molécules, chacun peut passer à travers un type de canal. Il peut être un passage actif ou là passif. Donc les petites molécules et les ions passent à travers le canal latéral, il est passif. Le canal central, c'est un passage actif. Donc mettez le tableau là, bien sûr. On a le canal central et vous avez les 8 canaux latéraux. Donc alors les importines et les exportines, c'est quoi? C'est des molécules qui doivent se fixer. Maintenant, la molécule qui veut passer doit se fixer sur l'importine ou l'exportine pour passer vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Rôle de l'enveloppe nucléaire, donc vous avez les transports, contrôle des transports nucléocytoplasmiques. Donc vous avez les pores nucléaires, leur nombre peut augmenter ou la se réduire en fonction du taux d'échange. Il y a quand même les échanges nucléocytoplasmiques. Il y aura plus de pores nucléaires, moins de passages, moins de pores. Donc dans une cellule mammifère en prolifération, vous avez 1 million de molécules qui vont transiter à travers les pores nucléaires par minute. La membrane nucléaire apparaît en interphase, elle disparaît en mitose. Après dissociation, la fragmentation, dissociation de la lamina, il y aura fragmentation de l'enveloppe nucléaire. Les pores nucléaires restent intacts, mais il sera le moelleux, les pores nucléaires. Donc, quitte à tous l'enveloppe nucléaire, il y a le complexe de pores, il se reflète les pores nucléaires. Réassocié lors de la reformation de l'enveloppe nucléaire. Le nucléole, c'est quoi le nucléole? Le nucléole, c'est une zone où vont se regrouper certaines régions de certains chromosomes. Mais le nucléole, ce n'est pas un organite. Le nucléole, c'est un organite, une membrane. Là. Le nucléole n'a pas de membrane. C'est une région dans le noyau. Donc il est dépourvu de membrane. C'est le site de biogénèse de quoi? Des ribosomes. Wilson, les ribosomes, c'est en partie dans le nucléole. Donc les sous-unités ribosomiques vont être produites dans le nucléole. Il contient de l'ADN, des protéines et des ARN. Quel ADN, quelle protéine et quel ARN? C'est des ribosomes. Les ribosomes, je ferme. Des protéines ribosomiques et de l'ARN R. ARN R ribosomique. Donc l'ARN R, on a c'est le nucléole, les protéines kif, les pré-ribosomes, c'est le nucléole, ou l'ADN, l'ADN est responsable de la transcription en ARN R. Donc, les gènes
qui vont être transcrites en ARN R, هما اللي تصيبوهم في النوكليول. Donc معناتها واش راح تصيبو في النوكليول؟ Puisque les chromosomes, احنا نعرفوا les chromosomes. وقتاش تشوفوا les chromosomes؟ Pendant la mitose. بصح في الانترفاز ما كاش كروموزوم، كاين كروماتين. Chaque chromosome est décondensé, مجعد en واش يولي؟ كي نحلوا الكروموزوم واش يولي؟ كروماتين. كي نعاودوا نكومبريميه واش يولي؟ كروموزوم. معناتها كي يكون مكسل واش اسمه؟ كروماتين. لا كروماتين كامله كاين اون سارتين ريجيون فيها دون سارتين كروموزوم فيهم اون ريجيون ريسبونسابل de la production de l'ARN R. Hadik la région yali tsebouha flou nucléol. La taille manata tsebou de l'ADN, yani les gènes responsables de la synthèse de l'ARN R, tsebou l'ARN R, tsebou les pré-ribosomes. Donc en microscopie électronique, un nucléole fait trois zones. Fait un centre fibrillaire clair, où tsebou fait. C'est pour faire l'ADN qui va être transcrit en ARN R. C'est pour faire composant fibrillaire dense, c'est l'ARN R, c'est des ARN R. Composante granulaire, c'est les pré-ribosomes. Donc on a un ribosome, je fais l'ARN R et des protéines R. Les protéines vont être synthétisées, oui, dans le cytoplasme, par les ribosomes libres. On va dire que les protéines R vont migrer vers le noyau, vers le nucléole. Ça correspond à la partie granulaire. Avec la partie granulaire, donc on a comme une partie granulaire, une partie fibrillaire dense, partie fibrillaire claire. Donc la partie claire, c'est de l'ADN, partie dense, c'est l'ARN R, partie granulaire, c'est les pré-ribosomes, c'est les protéines qui ont migré du cytoplasme vers le nucléole. Parce qu'ils traitent mal l'ARN R et ils sortent. Donc, boucle la zone fibrillaire claire, le qu'on a fait de l'ADN. Quel ADN? C'est pas tout l'ADN, mais c'est des boucles d'ADN, une partie de certains ADN. Centre organisateur, c'est les constrictions secondaires des chromosomes 13, 14, 15, 21, 22. 13, 14, 15, 21, 22. Hado les 5 chromosomes, fleur constriction secondaire. Donc, hado la constriction secondaire. Donc, hado un chromosome. Hado la région taon, c'est la constriction secondaire. هذه la région اسمها centre organisateur nucléolaire. هذه la région puisque le chromosome يكون هكذا يكون sous forme chromatinienne. Donc هذه راح تكبر هذه la place راح تتكسل. Donc هذو la région, هذوك les 5 chromosomes, هذو les 5 اسمها région ou les 10 régions, ils vont former des boucles راح يطولوا زعما هاو la chromatine رانا من الفوق من التيلومير يتكسل ومن بعد كي نلحقوا لو سونتر اورغانيزاتور هذاك لي جين اللي تما يروحوا هكذا يطوالوا حتى يلحقوا لي من لو نيوكليول يعاودوا يولوا لا كروماتين تكمل طريقها بيسك على لو نيوكليول ا بيزوان دو سيرتين زون من هذوك لي 5 كروموزوم يبعثوهم له يلحقوا ليه سون سو ديتاشي هنا ايماجينون كو هذه لا ريجيون هي شكون le nucléole. Voilà les chromosomes, le 13, 14, 15, 21, 22. Les constrictions secondaires, tahum, où je ferons les gènes responsables de l'ARN R. Donc, les gènes, ils ont le nucléole, les gènes pour exposer leurs gènes. Quels gènes? Les gènes responsables de la production de l'ARN R. Donc, maintenant, il y a un nucléole, un regroupement des gènes, des organes, des constrictions secondaires, TAT 13, 14, 15, 21, 22, vont se regrouper, se rapprocher au niveau du nucléole. On va dire, les gènes, les ARN R, où ils disent,
des protéines qui vont migrer du cytoplasme vers le nucléole. Elle a dit qu'il y a comme trois zones, fibrillaire clair, fibrillaire dense et granulaire. Passons au nucléoplasme. Le reste, ça m'amènerait la région du nucléole, la chromatine E et hétérochromatine. Le reste, c'est du gel nucléoplasme. Donc, le nucléoplasme, où est-ce qu'on fait? Le nucléole chromatine, nucléosquelette, les lamines. Donc, le reste, c'est pour faire des enzymes de l'ARN messager, de l'ARN R qui vont passer. Il y en a toutes les molécules qui vont être échangées. Donc la chromatine, on a blessé la forme décondensée des chromosomes. Les chromosomes sont la forme condensée de la chromatine. Structure complexe constituée d'ADN et de protéines. Une chromatine, t'as un noyau, la chromatine peut atteindre jusqu'à plus de 2 mètres d'ADN dans un noyau de quelques microns. Donc un noyau micrométrique fait plus de 2 mètres de chromatine condensée. Avec chromatine, maintenant on va donc condenser pour former des chromosomes. Maintenant un noyau peut porter plus que 46 chromosomes. Quel espace pour plus de 46 chromosomes? Puisque les chromosomes dans le noyau, ils sont sous forme chromatinienne, il y en a 2 mètres. Maintenant, qui est le plus condensé, il fait plus que 46. La chromatine, c'est quoi? C'est de l'ADN associé à des protéines de liaison qu'on appelle les histones. Les histones sont de petites protéines liées à l'ADN formant des nucléosomes. Les types, vous avez H1, H2A, H2B, H3 et H4. Chaque nucléosome, c'est quoi? C'est l'enroulement de 146 paires de bases de l'ADN autour de 8 histones. Il y en a 8 histones. Il doit aller en Zujdara tonus de l'ADN. Il doit aller en Allez, les histones. H1, histone de jonction, de super spiralisation pour fixer donc les tours d'ADN. Le nucléofilament est compacté et zigzagué. Donc, il y a les 8 histones et dans l'ADN, l'ADN. Il y a ce mot maintenant. Il y a ce mot nucléosome. Donc, le H1, il va fixer cette spiralisation, est fixée par le H1. Aïto. Et la prochaine fois, qu'est-ce que je vais dire? Noyau interphasique. Où est-ce que vous avez? Rien. Hein? Vous avez TD, ni TP, sûrement. Vous êtes fatigué, il y a beaucoup. La prochaine, Inch'Allah, on va en terminer. Dès le tissu sanguin. Tissu sanguin est. Je crois que le commun a soit noyau interphasique ou là. Et la division cellulaire. Ça dépend. Il y a un peu de temps.